Bienvenue dans les AI News, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir les dernières actualités sur l'intelligence artificielle. Tout d'abord, on va explorer Stable Audio 2, le nouveau modèle de génération de musique de Stability AI. Ensuite, nous explorerons une étude qui met en lumière les défis des outils de détection de texte générés par intelligence artificielle. Enfin, nous plongerons dans l'action avec un tournoi de Street Fighter 3 entre des LLM. Générique. Cette semaine a été annoncée par Stability AI la version 2 de Stable Audio, un jalon majeur dans le domaine de la génération audio par intelligence artificielle. Cette nouvelle itération promet de produire des pistes audio complètes de haute qualité, offrant une structure musicale cohérente jusqu'à 3 minutes, en stéréo, simplement à partir d'instructions en langage naturel. Une caractéristique remarquable de Stable Audio 2 est sa capacité de génération audio vers audio, ainsi que son utilisation de l'architecture Diffusion Transformer, tout comme Stable Diffusion 3. Contrairement à son prédécesseur, ce modèle permet désormais aux utilisateurs de télécharger des échantillons audio et de les transformer en une variété de sons, grâce à des instructions également en langage naturel. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités pour les artistes et les musiciens en leur offrant davantage de contrôle et de souplesse dans leur processus créatif. Tous les fichiers audio protégés par des droits d'auteur ont été retirés du jeu d'entraînement et une diffusion en continu des pistes générées par Stable Audio est disponible sur la chaîne YouTube dédiée, permettant ainsi de découvrir les dernières créations musicales issues de cette technologie prometteuse. Une récente étude s'est penchée sur l'évaluation de l'efficacité de 6 principaux outils de détection de texte générés par intelligence artificielle. Cette étude vise à évaluer ces outils face à des contenus générés par machine et altérés par des techniques visant à échapper justement à la détection. Les résultats révèlent une baisse significative de la précision de ces outils, de 39% à 17%, lorsqu'ils sont confrontés à du contenu manipulé mettant en lumière les limites de ces outils. Cette étude souligne les défis auxquels sont confrontés les éducateurs pour maintenir des pratiques d'évaluation justes et inclusives dans le cadre académique. Les outils actuels ne sont donc pas recommandés par l'étude pour déterminer avec précision des cas de fraude. Cependant, elle suggère que ces outils pourraient jouer un rôle dans le soutien aux étudiants et pour la détection de triches lorsqu'ils sont utilisés de manière non punitive. Pour relever les défis posés par la génération de textes par intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, l'étude préconise une approche combinée et critique, mettant en avant la nécessité d'une utilisation responsable et équitable de ces technologies émergentes. Elle met en évidence la nécessité de considérer attentivement toute implémentation potentielle de ces outils dans le domaine de l'éducation et propose des alternatives aux stratégies d'évaluation par intelligence artificielle. Un nouveau benchmark, basé sur le jeu d'arcade Street Fighter 3, a été développé lors du récent hackathon Mistral AI à San Francisco. Le benchmark LLM Colosseum permet au modèle de langage de grande taille, LLM, de s'affronter dans des duels spectaculaires via un émulateur. Ce benchmark se distingue par son approche peu conventionnelle. Contrairement à d'autres tests, les modèles plus petits ont un avantage en termes de latence et de vitesse, ce qui influence les résultats des combats. Les LLM prennent des décisions en temps réel en analysant l'état du jeu et en choisissant parmi plusieurs options de mouvement, telles que se rapprocher, s'éloigner ou utiliser des attaques spéciales comme les boules de feu ou les méga coups de poing. Les combats entre LLM apparaissent fluides et stratégiques dans la vidéo présentée. Cependant, il convient de noter que seuls les combats impliquant le personnage Ken sont possibles pour le moment. Malgré cela, les tests ont révélé des résultats intéressants, avec le GPT 3.5 Turbo d'OpenAI remportant la première place, et Claude 3 d'Anthropic se distinguant dans une série de matchs supervisés. Cette initiative soulève également des questions sur l'utilité de ce type de benchmark pour évaluer les performances des LLM. Bien que divertissant, des jeux plus complexes pourraient offrir des perspectives plus approfondies, mais également plus difficiles à interpréter dans le contexte de l'intelligence artificielle.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition des AI News. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager avec vos amis passionnés d'IA et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Activez également les notifications pour être alerté à chaque nouvelle publication et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions dans la section dédiée aux commentaires. Retrouvez dans la description tous les articles mentionnés ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Merci de m'avoir rejoint pour cette édition d'AI News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actualités passionnantes sur l'intelligence artificielle. D'ici là, restez curieux et à bientôt !